Eh bien salut les amis, c'est Karen, j'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve aujourd'hui pour le 12e épisode de Miitopia sur Nintendo Switch. Bon bah j'espère que vous allez bien, je crois que je l'ai déjà dit, mais bon, je m'en fous tellement pas que je demande même deux fois, ou une en fait, je sais plus. Bon bref, je leur demande, vous allez bien les amis? N'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, merci à tous de suivre cette série. Et on continue, donc bon bah on était dans le désert d'à côté, et oh, je sais pas trop où je dois aller là. En haut, en bas, on va aller par là, de toute façon on avait vu le maître des cuisses la dernière fois. Et on a plein de gens dans notre équipe, c'est trop bien, enfin plein, il y a quand même une place encore, mais je sais pour qui. Ça me donne faim! Oui. C'est nouveau cette tenue? Mais tu viens de la rencontrer, hein, d'hier, je te signale quand même. Ça te va plutôt bien. Oui, oui. Elle doit avoir chaud par contre. Hein. Habillée en blouse comme ça dans le désert, elle doit avoir chaud. Enfin, Pinoy habillé en furry, il doit aussi crever de chaud. Mais bon, après, si c'est son kink, ça le regarde. Hein. Et voilà, déjà un contact établi, c'est cool ça. Eh mais... Ok, nickel. Bon, Fauquenoil, il a aussi une attaque qui lui permet d'augmenter ses niveaux. Je crois qu'il y a un truc comme ça où il se caresse auprès des gens ou je sais pas quoi. Un peu cringe, mais bon, c'est Noi, on connaît. Oh! Une fresque de femme. Qu'est-ce qu'il fait? Affûtage des griffes. Ah, d'accord. Ouh, ça prend beaucoup de PM, ça, hein. Et attendez, mais donc ça fait que si j'utilise... Ah bah oui, je peux plus faire rappel, c'est vrai que je... Ok, je joue plus avec le chanteur. Oula, 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 tour de Zoé, elle impressionne Noi avec nouvelle technique, bug informatique. Elle a même jamais attaqué normalement, mais... What? Mais non! Noi, il aura... il aura affûté ses griffes pour rien. C'est trop nul, ça. En même temps, c'était peut-être pas le bon combat. Noi, il est pas très stratège, on dirait. Vas-y, ok. Faut que t'arrives au niveau 3 ou plus vite, Zozo. Trop vite, peux plus parler. Mais si, tu peux... Bah là, il y avait le mec... dans les deux cas, il y avait des trucs intéressants. Parce que là, il y a le cuisinier, là. Enfin, le gourmet. Donc, lui, il donne des trucs pas mal, je crois. Enfin, non, c'est pas je crois, c'est forcément un truc pas mal. Enfin, en tout cas, il les donne en rare, donc ça, c'est bien. 4 points de dégâts. Pas étonnant, c'est pas sa classe. Elle est pas faite pour faire du corps à corps. Elle est faite pour faire des attaques spéciales. D'ailleurs, elle commence déjà avec une attaque spéciale. Ah non, non, c'est... Non, elle l'a eu hier, c'est vrai. Elle est passée directement au niveau 2 grâce à je sais même plus quoi. Bref. Yes, niveau 3. Et elle gagne rien. Bon, bah, pas si étonnant. Enfin, genre, elle peut pas gagner à tous les niveaux. C'est généralement, quand même, globalement, une fois sur deux, quand même, l'augmentation. Alors, auberge. Chambre 2, il augmente pas de niveau avec le cheval. Ah ouais, il va falloir une nuit de plus. Oh, c'est trop mignon. Oh, c'est trop mimi. Bon, continuez de jouer, quand même. Vas-y, une nouvelle fiole. C'est quoi, ça? Ça s'appelle comment? Un tube à essai. Avant, elle avait un Erlenmeyer, je crois que ça s'appelle comme ça. Là, maintenant, elle a un tube à essai. Stylé. Enfin, les armes du scientifique, je les ai pas assez vues, mais je crois qu'elles sont pas si barrées que ça. Hein. Et toi, vas-y, oui. De toute façon, ça coûte tellement pas cher que, genre, les trucs, là, enfin, genre, j'ai plus de 10 000 pièces, quoi. C'est pour ça que j'avais pas tout utilisé. Dans les derniers épisodes où on était avec l'autre équipe, justement, bah, genre, il y en a probablement dans les commentaires qui ont dû dire « Kirbendo, pourquoi tu achètes pas des trucs ?» etc. Et voilà, vous comprenez pourquoi maintenant. C'était stratégiquement établi. Qu'est-ce qu'on a là? Bâton Queener. C'est vrai qu'il l'a pas acheté, ça. J'aimerais bien l'avoir. J'aurais pas. Bon, une bonne dose. Pour Zoé? Ça fait combien? C'est tout? C'est ça une bonne dose? Après, c'est proportionnel, donc... Yes, on a enfin le bâton Queener. Wouh! Vas-y, Kirbendo. Mais déjà qu'il est trop fort, je trouve. Le prêtre, c'est une classe vraiment très forte, j'ai l'impression. Je suis agréablement choqué. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Sortie, on va pas faire de sortie. Ça y est. Toi, Zoé, t'aimes bien ou pas? Oh ouais, ça va. Ils aiment tous les deux. Bon, vas-y, Noi, on t'a pas encore nourri aujourd'hui. Trop mimi. Si je fais une sortie avec Kirbendo, il sort avec qui? Avec Noi? Non, mais il a pas de niveau avec Zoé. Donc, ce serait peut-être mieux, en fait, de faire ça. Et que Kirbendo et Zoé commencent à avoir un niveau. Le cheval, j'aime bien, dans l'idée. Mais le fait que, genre, t'es obligé de... Enfin, que tu sois généralement... Enfin, t'es généralement quelqu'un tout seul dans une chambre, moi, j'aime pas ça. Hein. Mais bon. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'il va me donner cette fois? Ah, c'est un kebab! Quelle saveur en bouche! La viande est si tendre et juteuse que c'en est presque douloureux! C'est comme une oasis dans le désert de mon gosier! Bah, il y a une oasis autour. Tiens, bonjour! Je suis Flushed, le gourmet voyageur!
Rien ne me procure plus d'émotions que les délices de la grande cuisine. Il faut absolument que vous goûtiez vous aussi à ces émotions. Kebab! Ah, je déteste ça. Enfin, si c'était végétarien, peut-être que j'aimerais bien, mais bon, comme c'est pas végétarien, je déteste ça. Je sais pas, on va aller plutôt là, alors, plutôt que de refaire le niveau qu'on a déjà fait. Mais sauf qu'on n'ira pas au coffre. Enfin, c'est pas grave, hein. On refera de toute façon tous les niveaux pour finir le jeu à 100%. C'est mon objectif, mais ce sera en live. On refera ces trucs-là plus tard. Je viens de me rendre compte que tu as une nouvelle tenue. Ils parlent que de leurs vêtements, en fait. C'est plutôt pas mal. N'est-ce pas? Ok. Oh, yes! Ah, ça, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Nickel. Y a rien de tel qu'un petit jogging. Oui, sauf que il doit faire tellement chaud et tout, ça doit être tellement horrible. Pour une fois, je vais en bas. Je sais pas si ça me portera chance, mais d'habitude, je vais toujours en haut. Et là, j'ai changé d'avis. Monsieur Kirbendo. Oh! Bonjour, bonjour, c'est le facteur itinérant. J'ai une lettre pour un certain Kirbendo. C'est Shrek le facteur. Et donc, bonne lecture. Cher Kirbendo, grâce à vous, Bowser Jr. a retrouvé toute son énergie, Peach. La pauvre. Quoi? Alors déjà, premièrement, pourquoi j'ai pas de cadeau? Et deuxièmement, comment ça la pauvre? Ça n'a aucun sens. Bah, c'est comme la plupart de ce jeu, donc c'est bien. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, y a pas beaucoup d'ennemis, j'ai l'impression, sur cette map. Ouais, tu peux essayer de l'impressionner, de toute façon, tu l'aurais tué dans tous les cas, mais bon. 5 points de dégâts, c'est pas ouf, hein. Ils sont obligés de s'y mettre à deux pour faire autant de dégâts que moi, tout seul. Ratio. Laisse un pouce bleu. Les 250 visages, ça n'arrive pas vite, là. Hein. On trouve pas de gelée, de trucs comme ça, là, c'est dommage. En vitesse de croisière. Ouais. Un coffre, un coffre, un coffre. Ah. Ouais, mais c'est un petit, en plus, c'est 200 pièces. Pff. Des fois, la vie nous déçoit. Des fois, elle nous rend content, mais des fois, souvent, elle nous déçoit, même. Ok, trop naze. Mais ils sont vraiment nuls, hein. Ils font aucun dégât, ça m'énerve. Ah. Et il doit avoir 8 points de vie, je pense. Attaque la fresque de femme. Ouah, pourquoi il s'est fait mal? Oh non. Il aiguise à chaque fois ces trucs à la fin quand ça sert plus à rien. Tu vas bien? Oh, Kirbendo. Mais sauf qu'il est occupé à aiguiser ses... Mais ça sert à rien. Enfin non, c'est très bien. Mais faut pas le faire maintenant, voyons donc. Noy. Ah là 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 là. Oh, niveau 4. Et il gagne apaisement. Ramène tous les équipiers à la raison grâce à une incantation magique. C'est balèze, ça. Elle a rien? Elle est niveau 4, elle a rien? Ok, bizarre. D'accord. Ouais, elle aura un truc niveau 5, j'espère, au moins. Ouais, 30 types de vivres différents, on est content, on est refait. Ah ah ah, ils veulent augmenter de relations? Et si on instaurait des règles dans la chambre? Ne vous inquiétez pas, vous resterez pas longtemps ensemble. Oui, bonne idée. Super, alors la chambre doit rester propre. Bien entendu. L'auberge doit rester propre. Ok, pourquoi pas. Le monde entier doit rester propre. Dis, tu ne serais pas un peu maniaque? Ok. Des fois, c'est gênant, les interactions. Ratio. Ces noeuds, ils me contaminent. Bah vas-y, oula, 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 là, là, là. C'est quoi ça? D'accord, ok, délicate, mais avec quand même un œil caché, sauf que bon là, ça le fait pas, mais... D'accord, une petite blouse délicate. C'est dommage qu'il n'y ait pas le chapeau en plus de la perruque. Je comprends pourquoi ils n'ont pas pu le faire, mais c'est dommage. Oh, c'est les gants de Mario. Et mais franchement, mais des fois, mais je vais le, j'ai envie de les défoncer, hein. Et qu'est-ce qu'on a là? Oh. Bouteille de ketchup. Bon, vas-y. Stop. Stop. Ok. La bouteille de ketchup, c'est pour Zozo. Ça n'a aucun sens. C'est pour ça que c'est génial. 20 d'attaque. Mais je sais pour Kirbendo, il fait autant de dégâts. Parce qu'il a les bonus de la bouffe. Bah ouais, en fait, je m'en prenais à eux, mais c'est juste que Kirbendo, il est au-dessus. Ouais, il a 15 d'attaque en plus. Donc ouais, tu m'étonnes, quoi. Ça, de toute façon, ça va être un pour chaque. Ok, tout le monde adore en plus, donc c'est nickel. Toi, t'aimes bien? Pitié. Bon, il aime juste correct. Ok, alors... Alors là, il n'y a que des trucs que Kirbendo n'aime pas. Ah ça, on sait pas, il a pas essayé.
toute façon, il est full, donc... vas-y, ça goûte. Aïe. En plus, il lui faut des PM en plus, donc... et toi? Ok. Bah, pour les scorpions, on essaiera la prochaine fois. Mais d'ailleurs, il nous rejoint quand, là, l'autre personne, là? Sortie... Non. Il va juste attendre que Noy soit au niveau avec le cheval. Et après, faudra mettre Zoé avec le cheval. Pour qu'elle au moins de niveau aussi. Ah, on va au coffre. On va au coffre quand même. Oh, Macron est là. J'ai hâte de le revoir, ce mec. On peut aller moins vite. Non, j'ai pas l'impression. Oh. C'est pour moi? Ah, je crois que c'était pour Zozo. Vas-y. En bleu, j'aime trop. Hein. Ça rend trop bien en bleu. Bon, par contre, en dentelle, c'est grave moche dans tous les cas. Mais en bleu, ça passe encore. What? Ah, mais oui, c'est un niveau de coffre. Oui, donc dans le niveau de coffre, des fois, il y a que le coffre. Oh, je m'étouffe. C'est l'émotion de voir Dio. Cher Carmendo, j'ai trouvé un ticket rare et je vous l'envoie pour vous remercier d'avoir sauvé le royaume du début. Ce serait pas plutôt ton roi qui devrait nous envoyer quelque chose? Que ça exagère. Hein. Ça augmente même pas les relations. Zoé m'a acheté un cadeau. J'ai pensé à toi en voyant ça. C'est un cadeau. Oui, j'ai vu. C'est quoi le cadeau alors? Oh, donne-le-moi. Une canette vide. Ah, comme elle veut que le monde soit propre, elle ramasse les déchets dans la rue. Ouah, c'est super! Est-ce que c'est moi qui n'ose pas lui dire que c'est de la merde? Ou est-ce que juste, genre, mon perso, il est complètement débile? À vous dire dans les commentaires. Ok, la relation continue d'augmenter et on arrive niveau 3 avec mise en garde. Ça, c'est bien aussi. Oh, Noy a tout observé. Lui aussi apprécie Kirmendo. Noy est jaloux de Zoé. Ah, le début d'une nouvelle dispute. J'espère pas tout de suite, quand même. Vas-y. On vient d'avoir une nouvelle tenue tunique et déjà, on en rachète une. Bon, pourquoi pas, hein, mais bon. Ouais. En vrai, je sais pas laquelle d'eux je préférais. Dans tous les cas, elles font super vieilles et pas ouf. Des oreilles tachetées. Ah, c'est vrai, parce qu'il a les pattes tachetées, mais il a pas la tenue tachetée. Bon, là, par contre, pour le coup, il se trompe pas. Oh, bah en rouge. Ça va trop bien avec sa tenue en rouge. Nickel. Bien, qu'est-ce qu'on a? Je, on avait... Ah non, 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 quand je vois la quantité de gris, je ne veux même pas savoir ce qui se passe. Bon, à bouffer. Aïe. Trop naze. Et ça, t'aime bien? Ouh, elle adore. Bon, bah alors, je vais lui redonner. Je vais pas donner le risque... Je vais pas prendre le risque de donner à Noy. Le moins de défense et de vitesse. Ok. On n'a plus rien à bouffer. Désolé, les refs. J'ai plus rien pour vous. Mais est-ce qu'on n'aurait pas perdu au début de la relation avec le cheval quand on est arrivé dans ce monde? Parce que je croyais être plus que niveau 3, hein, par... Apparemment, non. Ça a bugué. Ça a fait apparaître le truc à gauche pour ensuite aller à droite. Bugué. C'est bugué. Le jeu, il est bugué. Oh, princesse Nikki. Hé, hey, y'a quelqu'un? Hein? Oh non. N'y touche pas. Je suis un humble esprit, gardien de cette immensité désertique. Un sorcier maléfique m'a enfermé dans cette lampe. Je n'ai rien fait de mal. Auriez-vous la bonté de me libérer, noble seigneur? Je ne sais pas. Libérez-moi et j'exaucerai votre vœu le plus cher. Oh oh. Vous allez voir, c'est enfantin. Il vous suffit de frotter la lampe. Oh. Oh, c'est ça, continue comme ça. Frottez, frottez. Oh oh. Ah merde. Ah mais je mets qui? Ah, je crois que j'ai trouvé le rôle parfait. Monsieur propre. Il fait tellement peur. Wow, 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 libre, enfin libre. En plus, il a le même body. Bon, très bien, et pour mon vœu? Quel vœu? Ah oui, cette vague promesse que tu as été bien naïf de croire! Quel débile Macron, hein, comme dans la vraie vie, quoi. J'ai changé d'avis! J'envisage maintenant de terroriser la population comme au bon vieux temps! Oh 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 oh, allez, à la voyure, et merci pour l'huile de coude! Il est terrifiant, monsieur propre, comme ça. Oh oh. Pourquoi il fait cette tête? Ah, c'est vous! Je n'ai rien fait de mal, je suis là par hasard, je vous assure! Tenez, j'ai trouvé ça, prenez-la et allez-vous-en! Vous avez dû accepter une lampe magique. Allez, laissez-moi tranquille maintenant! Ok.
Bon bah salut Macron. Alors, oh, il y a Peach. Pourquoi il y a Peach? Alors pour ça, les amis, je suis désolé, j'avais complètement oublié, genre la ville d'à côté, j'ai complètement oublié, je sais pas ce qui se passe ici, je sais pas quels sont les rôles des gens. Donc j'ai un peu mis des trucs random, genre que j'avais dans ma liste, je sais pas si ce sera bien ou quoi, mais on va voir. C'est Kumatora de Mother là. Guide dansante. Chalalalan. Bienvenue dans la ville d'à côté, chalalan. Chantez avec moi, et 1, et 2, et 1, 2, 3, 4. D'accord, ok, allez-y, dansez ensemble. Je croyais qu'elle aimait pas trop quand on l'a regardé, il y avait marqué dans la description, mais il n'y a pas ça, d'accord. Vieux radoteur Trump. Hé, mon garçon, écouterez-vous le récit d'un vieil homme? Ouais. Notre royaume était dans un drôle d'état. Oh là là. Le génie de la lampe s'était réveillé de son long sommeil. Et tout tremblait au seul nom du terrible monsieur propre. Il a tout saccagé et nous a tout volé. Tout! C'est alors qu'arriva le grand sage Sirvendo. Il aspira et emprisonna Monsieur Propre dans sa lampe. Ce renégat n'est pas prêt de revoir la lumière du jour, ça c'est sûr. C'est ce qu'on verra. J'espère qu'il a bien retenu la leçon. Mais c'est du passé ça, n'y pensons plus. Regardons plutôt Kumatora danser. C'est magnifique, non? D'accord, il se met aussi à danser. Trump, il rêve de devenir danseur, il n'est jamais trop tard. Monita est... Il se passe un truc sur le côté du visage de Monita. Hein. Genre on voit au travers. Non, c'est peut-être logique finalement. Bon. Marchand Louche, Monita et Waluigi. Monita de Nintendo Land. Voyageur! Mon père est très malade! Ayez la bonté de nous acheter un bonbon PM! 500 pièces seulement! Bah moi je suis quelqu'un de bien, allez. Oula! Merci bien. Ça fait 500 pièces s'il vous plaît. Vous avez un peu naïvement acheté un bonbon PM. Les bons PM, oui, d'accord. Youhou, tu vois papa, je t'avais dit que ça marcherait. Bien joué, Monita. Et voilà, c'est des arnaqueurs. Qu'est-ce qu'ils disent, là? Youhou, tu vois pas... Oui, bon, ok, il redit la même chose, d'accord, ok. Je pensais que ça changerait un peu. Luigi, l'explorateur, inquiet. Pfff, c'est tout de même étrange. De quoi? Je suis censé être pile dessus. Hmm. Ah, il cherche un trésor, mais il en trouve jamais. Et c'est Boyfriend de Friday Night Fucking. Boyfriend et Girlfriend. Mais ça c'est canon, c'est genre quand le jeu est terminé, qu'ils finissent ensemble, et ben voilà, ils se retrouvent dans le monde de Mythopia de Kirvendo. Est-ce que tu écoutes seulement quand je parle? Et apparemment leur couple ça va pas du tout. Hein. Oh, laisse-moi respirer! Je dis que ce génie de la lampe est tout de même très effrayant. Mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Mais toi tu t'en fiches pas mal, je me trompe? Mais arrête de me rebattre les oreilles avec ça enfin! Ok, super. Ils font que se disputer. Et ça c'est sa maman, a girlfriend. Mom, star du désert. Oh, quelle catastrophe! Le génie de la lampe nous a attaqués! Et il a pris tout mon or, acquis à la sueur de mon front! Bah, elle a pas l'air, elle a l'air d'être toujours aussi riche, hein. Vous m'avez l'air taillé pour le combat et l'aventure! Oh, je vous en supplie, pourriez-vous aller récupérer mon or? Oui. Mais je le garde, hein. Vous acceptez? Oh, merci! Mille fois merci! Le génie s'est caché dans un dédale souterrain! Vous devriez l'apercevoir en sortant de la ville! Vous ne pouvez pas le rater! Ah bah, merci! Oui, donc fallait bien parler aux gens pour savoir où on va. Mais attends, par contre, j'ai pas le chemin, donc... Que mes voeux vous accompagnent! Ok. Bon bah, on va aider Mom. Et quoi, c'est tout? Ok, on dirait une redonne du premier chapitre, mais genre un peu différente. Mais c'est qui, Peach? C'est quoi, ça? Ah, mais c'est Apo! C'est Apo, c'est vrai, qui est toujours en fan de Nintendo. Ouais, j'ai pas d'amiibo. Non, non, bye! Je comprenais vraiment pas. Bon, je sais pas, j'aimerais bien aussi aller là-haut pour m'occuper du Boeing, mais bon. Route des marées. Wow. Ah! Mais ça sert à quoi, en fait, d'être sur le cheval? Ça va plus vite? Je suis même pas sûr que ça va réellement plus vite. Faut que je fasse le niveau deux fois, là. Ta coiffure te va trop bien? Ensemble, tout d'accord. Oh, on tombe du cheval! J'ai pas vu, mais on tombe du cheval quand le truc y... Ok. Vas-y, on s'en fout. Voilà, n'aiguise pas tes trucs là. Ok, c'est bon. Et on commence à faire des vrais dégâts. Première action relax, dissimulation. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se cache derrière moi? Je crois que ça va se terminer en dispute tout ça. Relax, c'est nul. Rêveur aussi, je crois que c'est pas ouf des fois. Hein. Mais il y a forcément du bien dans chaque classe, non?
Câlin félin, redonne à un équipier des PM en ronronnant et en se frottant à lui. C'est bien ça. Bon vas-y, t'es en retard. Comme ça, ça augmente aussi la relation, donc c'est bien. Je boirais bien un café. Qu'est-ce qu'il y a de drôle. Je viens de me rendre compte que tu as une nouvelle tenue. Oh, vous allez le dire à chaque fois. Mais heureusement, ça augmente la relation, mais enfin, à chaque fois, ils vont s'arrêter pour parler de la tenue. Ils n'ont que ça comme sujet de conversation. C'est ouf. Oh, bon, ça va pas être bien dur. On s'en moque, en un coup, tu les tues. Ok, et Kirmano vous a dit d'ailleurs de laisser un pouce bleu. Hein. Par contre, ouais, ils attaquent tout le monde, mais ils font pas beaucoup de dégâts. Hein. C'est tranquille, notre équipe, elle s'en sort très bien. Moi, j'aime bien ça. C'était une promenade de santé. Ok, du jus de cactus. Une étoile. Ah, quelle brise délicieuse. Moi aussi, c'est pas une réponse. Ouais, les banshees larmes. Bah, du moins qu'on rencontre pas des banshees, moi, ça me va. Il va falloir que je refasse le niveau pour aller à droite. Ok, les relations se renforcent. On a appris sollicitude et ensuite... Non, il augmente pas... Oh, what? Déjà? Ok. Bah écoutez, c'est parti. Et donc après mûre réflexion, je vais intégrer à l'équipe Bartir. Viens, je t'explique. T'es une merde. Les abonnés, c'est des chiens. C'est moi qui lui ai fait son mi. Je sais pas si vous savez à quoi il ressemble Bartir. Bah il était là dans les vidéos Among Us, il est là dans les vidéos Minecraft et voilà. Je lui ai mis un petit drapeau algérien parce que bah, je sais pas trop quoi lui mettre comme signe distinctif. Il a dit qu'il était moche le mi que je lui ai fait. Moi je trouve qu'il est bien. Qu'est-ce qu'il est Bartir? Y a pas méchant, crevard, lâcheur. Y a aucun truc qui lui va. Je lui mets Trevor parce que c'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose mais il est un peu bête. Donc allez, Bartir, vas-y. Rêveur, et qu'est-ce que... Mais écoutez, Bartir, c'est quand même un diablotin. Insupportable, Bartir. Vas-y. C'est trop bien. Trop, trop bien. Bon, bah voilà, notre équipe est au complet à nouveau. Hey, bonjour. Je m'appelle Bartir. Et toi, tu dois être Kirbendo? C'est ça. Super, je sens qu'on va bien s'amuser. Du coup, là, faut pas qu'on fasse les camps. Ok, Bartir a rejoint l'équipe. Yes. Bon, alors Diablotin, je sais plus trop ce que ça fait non plus. Hein. Ça a pas une attaque qui tue en un coup? Ah non, c'est pas lui. C'est le prêtre, je sais plus. Bref. Bartir a rejoint l'équipe. Moi, c'est Bartir. Enchanté. Tout le plaisir est pour nous. Plus on est de fous, plus on rit. Mais au fait, où est-ce qu'on va au juste? Et voilà une bonne question. Tu peux nous éclairer, Noy? Où on va? C'était où déjà? Ah. Oh oh. Laissons ça de côté pour le moment. Je sens qu'on va bien s'amuser tous ensemble. Bartir doit quand même se dire dans quoi il s'est foutu. Oui. Non, sérieux. Je me demande vraiment si on va s'en sortir. Exactement. Il doit se demander où il a mis les pieds. Désolé pour toi, Bartir. Bon, Bartir, tout seul, en haut, parce que personne l'aime. T'es mal. Où en sont les relations, en vrai? Noy, il a pas de relation avec le cheval. Kirbendo et Zoé, ok. Bon, allez, Kirbendo, vas-y, achète ça. Il y a plein d'autres trucs qu'il devait acheter et qu'il avait pas acheté, je sais plus. J'avais dû l'avoir peut-être à la roue, je sais plus quoi. Bref, ok, ça c'est cool. Il est vraiment fort, Kirbendo. Noy, il veut aussi un truc, j'ai vu. Des... Oh oui, achète-les. Je t'en supplie, là, loupe-les pas. Ok. Les pas de gantés, on dirait vraiment genre les gants de Mario. Je sais pas quelle est la tenue qui est en rapport, mais on dirait vraiment les gants de Mario. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a dans les jeux? Oh! Des oreilles rustiques, vas-y. On est quasiment sûr de les avoir quand même. Bah oui, oui, là c'est certain, c'est certain. Vas-y, tout ça pour... Oh, oh oui. Bah ouais, si, ça va bien avec, ok. En rouge. Oui, c'est le couleur, c'est sa couleur, le rouge. qu'est-ce qu'on a maintenant? On peut essayer d'aller quand même en sortie. Bon, déjà, voyons voir ce qu'on a comme bouffe. Ça, on sait pas. PM? Qui a besoin de PM? Toi, t'en as besoin. Oh, mais il aime rien, Noy. Vas-y, toi, goûte, t'as rien. Ok. Goûte aussi. J'aurais pas dû. Et ça, t'aimes bien? Mais personne n'aime ça, en fait. Genre, on a des trucs, genre, dans l'équipe, personne n'aime ça du tout. Quand même, Kirbendo, Bartir, ils vont quand même aller en sortie, histoire d'augmenter un peu leur relation. On peut donner un ticket de sortie au cheval? Au gré de leur tribulation, tous deux apprendront à mieux se connaître. Et leur relation en sortira renforcée. Plus de temps à perdre, faire sortir votre cheval. Quoi, c'est nouveau, ça? Et donc, il sort avec Noy? Ben, on va voir ça.
C'est nouveau la sortie avec le cheval. Une sortie avec Pégase. Waouh. Ah, mais ils vont pêcher tous les deux. Mais what the fuck. Ah, sa mort. Oh. Qu'est-ce qu'elle faisait sous l'eau? Comment une carotte a bien pu se retrouver ici? Ah, je l'ai pré-shot. Bah, il s'en fout. En tout cas, Pégase, il la mange. Et voilà, plus de carottes. Bon, bah, waouh, deux niveaux en plus. Attaque montée. Et Ancel. Bah, c'est parfait. C'est le niveau auquel je veux qu'il se retrouve, en fait, en vrai. Donc, ah, une salade de Boeing en plus, mais nickel. Bon, alors, Zoé, tu vas aller avec le cheval. Parce que maintenant, c'est à ton tour aussi d'augmenter de relations. Non, il se retrouve tout seul, hein, désolé. On va aller à la plage avec Bartir. Comme cet été en Algérie, à Béjaïa. Pas sûr, parce que bon, vu les règles qu'ils ont décidées, là, le gouvernement algérien, c'est compliqué d'aller en Algérie cet été. Hein. Faisons connaissance. Tiens, une bouteille. Bartir devrait répondre, j'en ai quoi à faire, connard. Il y a un papier à l'intérieur. Une bouteille à la mer. Vas-y, ouvre-la. C'est pas du tout Bartir, ça. C'est peut-être une carte au trésor. Quel suspense. C'est quoi? C'est écrit, je vous ai bien eu. Ah. Quoi, c'est tout? Eh mais des fois, c'est de l'arnaque, hein. En plus, une banane PV. Eh mais des fois, c'est pas drôle, hein. Vas-y, on va au ciné avec Bartir. Je ne m'endors pas cette fois. Pitié. Si on allait voir un film, ouais. Il faut que j'aille aux toilettes. Oh, je vois. D'accord. C'est quoi comme film? Un film d'action. On l'a pas déjà vu, ça? Trop bien. Ouais, ça a l'air bien. On est à fond. D'accord. Ouais, c'était super impressionnant. Oui, vraiment cool. Il y a sa queue qui se balade à chaque fois à partir. Tu crois que le héros accepterait de se joindre à nous? Bah, demandez-lui, non? Donc, bon, on est juste niveau 2, hein. Fanfaronnade. Bah, disons que ça commence par là, hein. Faut bien un début. Des bons PM, mais c'est trop nul ce que ça nous donne, vraiment, hein, je suis déçu. Salade Boeing. Vas-y, Noy. En plus, il adore ça. Mais la salade Boeing, peut-être que tout le monde aime, je sais plus exactement. Bon, allez. On quitte l'auberge avec Bartir. Et ça va être la fin, je pense. Et oui les amis, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo de Mythopia, j'espère qu'elle vous aura plu, merci à tous, je l'ai dit deux fois, n'oubliez pas de laisser plein de pouces, de commenter, de vous abonner, et on se retrouve très bientôt pour la suite, salut !